Bonjour à tous, merci de votre fidélité. C'est à Bruxelles que je viens poser mes valises pour 3 jours. Et durant mon week-end, j'ai choisi de rencontrer des personnalités atypiques qui vont me faire partager et découvrir avec passion et originalité les incontournables de la capitale belge. Alors visiter Bruxelles à travers leur regard décalé et avisé s'annonce être une expérience pendant laquelle je ne devrais pas m'ennuyer. Soyez donc les bienvenus dans la cité de Mannequin Peace et de la bande dessinée. Bienvenue dans mes échappées belges, s'il vous plaît. Au menu de ce week-end à Bruxelles, vive Bruxelles! De l'amour et de la gourmandise. Le chocolat qui rend beau. Ah, ça va m'arranger ça. Oui. Pour séduire notre voyageur, je mets son. Son tralala. Ici. Le tralala ici. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien dire que c'est la plus belle grand place du monde. La capitale belge sort le grand jeu. Parce que vous voyez ceci, c'est un véritable segment de voitures de chemin de fer. Et c'est la caractéristique de Bruxelles, je crois, cette espèce de folie de vouloir explorer. On ne se prend jamais au sérieux. La swamp, c'est ça. Hein. Ici, tout le monde a la frite. Bonjour l'équipe. Bonjour. C'est quoi là le secret de la frite? Deux fritures, deux. Ici, je vis au paradis, c'est mon paradis terrestre. Et Jérôme va devenir le chouchou de Bruxelles. J'ai envie d'aller voir déjà les coulisses, moi je suis comme un gosse là. La fanfare fait partie intégrante de toutes les festivités ici. Ouais, oh là là, quel accueil! Bruxellois un jour, Bruxellois toujours! Je vois que ça griffonne et ça crayonne. Ah mais Jérôme. Salut Olivier. Comment vas-tu? Ça va super bien. Bienvenue à Bruxelles. Merci, très content de te rencontrer. Bah, apparemment, dis donc. Bon, t'es en train de t'adonner à ton plaisir favori, c'est ton métier en tant que dessinateur. Ouais, exactement, et je me suis permis de me mettre à croquer en t'attendant. Alors tu crois que... Là, là, je suis en train de m'attaquer à l'hôtel de ville et à toutes ces petites courbes et à son architecture baroque, plutôt qu'à cette tête à dessiner. C'est un sacré coup de crayon, dis donc. Hein. Merci, dis donc. Waouh. Eh oh. C'est mon job aussi. Oui, c'est ton boulot. C'est ce que tu fais, ça, en dessous? Je peux regarder? Voilà, bien sûr, vas-y, ouais. Donc wow. Là, c'était une bande dessinée que j'ai réalisée dans le cadre d'un concours de BD dont le thème était la ville de Bruxelles. D'accord. Alors du coup, je me suis posé dans les petites rues, j'ai observé les ambiances, j'ai dessiné les architectures dans tous les sens. Super bien fait, hein. Je te raconte pas le casse-tête au niveau perspective. Donc là, tu as prévu de me faire une balade de Bruxelles avec le regard du dessinateur. Ah, il y aura du dessin, il y aura de l'art, il y aura de l'histoire, il y aura de tout, mon ami. Allez, viens. C'est parti. Alors, commençons par là-bas. Alors Jérôme, comme tu vas passer un week-end ici à Bruxelles, on a une petite tradition, une petite superstition bruxelloise. Tu as devant toi la statue d'Evrard Tserklaas. C'est un libérateur de Bruxelles. Il aurait escaladé au XIVe siècle l'enceinte de Bruxelles, car d'accord, la ville était entourée de remparts, d'accord, pour venir la délivrer des Flamands. C'est devenu signe de bonne chance de venir le caresser. Encore caresse le bras de voilà. Evrard Tserklaas. Evrard, merci de nous permettre de passer un très beau week-end. Allons-y. On a une fresque de Hergé, là. Exactement, Tintin, Milou, le capitaine Haddock. Tu sais que le 9e art en Belgique est quand même vachement réputé et puis vachement, vachement répandu. Et alors quand tu te promènes dans les rues de Bruxelles pour rendre hommage à la BD, il y a une quarantaine de fresques faisant honneur à des grands dessinateurs de la bande dessinée. Le dessinateur ici, Franck P, a dessiné les personnages de sa bande dessinée Broussailles. Ouais. Et à l'arrière-plan, ce qu'on voit, ouais, c'est en réalité le carrefour sur lequel nous nous trouvons, vu de haut, quoi. Ok. Sauf d'accord, qu'à la place de dessiner des rues pavées, il a dessiné une rivière. En réalité, cette rivière existe en dessous de ces pavés. C'est la Seine. S-E-2-N-E. Oui, c'est voilà, ça. Ouais. Qui a été voûtée début 1900 pour des raisons d'épidémie de choléra transmises par les rats qui en sortaient. Donc du coup, ils ont voûté tout le bazar. J'ai entendu dire que la ville de Bruxelles avait été un peu, partiellement en tout cas, construite sur des marais. Exactement. Ouais.
D'où l'origine du nom Bruxelles. Si tu veux, Bronx, en germanique, ça veut dire marais. Et Salle, en moyen néerlandais, ça veut dire salle ou maison. Bronx, Salle, Bruxelles. Voilà. D'accord, ok. Alors Jérôme, il y a un autre incontournable bruxellois, un peu plus raisonnable à sortie de la journée qu'une grosse frite pleine de mayonnaise, c'est la waffle. Ah, une gaufre. La bonne gaufre. Idée. Ah, je vois. Oula, oui, en effet. C'est garni ici, là. Il y a de quoi faire. Alors, t'as la gaufre de Bruxelles, t'as la gaufre liégeoise. La liégeoise, c'est celle qui a les coins coupés, hein, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, c'est la ronde avec le sucre caramélisé. D'accord, et la gaufre, là, ça, c'est la bruxelloise. La bruxelloise, voilà. Traditionnelle, rectangulaire, ouais. Avec une pâte un peu plus croustillante. Tu les aimes comment? Moi, je les aime bruxelloises. Bonjour. Eh bien, deux gaufres de Bruxelles, s'il vous plaît. Désirez avec? Chantilly. Chocolat un chantilly. Peu de chocolat. Voilà, un classique, voilà. Mais... oui, s'il vous plaît. Magnifique. Oh oh. Ah, mon Dieu. C'est déjà trop. Voilà. Merci, combien je vous dois? Ça prend 9,80. Merci à vous. Bonne Merci journée. Beaucoup. Au revoir. Mmh. Mmh. C'est léger. Mmh. Très bonne. Il fallait alourdir cette pâte légère par un petit peu de chantilly. C'est ça. Je profite très bien de la petite pause gaufre. Faire un dessin de toi. Ouais, je te vois venir, tu vas faire une petite caricature. Tout en essayant de rester gentil, t'en fais pas. Au revoir ton petit sourire, j'ai l'impression que tu te fais plaisir. Voilà Jérôme, là je crois que j'ai matière à peaufiner mon dessin. D'accord. À la maison. Promis, je te le remets avant que tu t'en ailles. Ah, avec grand plaisir. Et avant qu'on se quitte, toi et moi, j'ai une petite surprise. Ouais. Je t'emmènerai bien direction la Grand Place. On retourne sur la Grand Place. Ok. Ouais. On y va. Ouh là là. Et voilà la Grand Place. C'est un avantage, c'est que toi tu es déjà beaucoup plus haut que moi. Ah oui, mais toi tu peux l'admirer au travers des rosaces de pierre. Oh là là. Moi, j'aime bien dire que c'est la plus belle Grand Place du monde. Alors ici, on est sur le beffroi de l'Hôtel de Ville, qui mesure 96 mètres de haut. 96, traduction? 96. C'est beau, ça. Là-bas, juste en face, on voit la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. Ouais, qui est perdue avec les immeubles très récents, là. Ouais. Là, tu vois le palais de justice, ouais. Qui est couvert d'échafaudages. Il faut savoir que les échafaudages qui sont dessus ont été placés en 1987, ou un truc comme ça, quoi. Ah oui. Donc, de mon vivant, j'ai... Oh, aucun souvenir de ce bâtiment n'étant pas en chantier. Quoi. Bruxelles a été déconstruit, reconstruit un petit peu dans tous les sens. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu un véritable melting pot, comme on dit. Un vrai mélange architectural. Et c'est un melting pot de population, parce qu'il y a beaucoup de gens de plein de nationalités différentes qui cohabitent ici. Bruxelles est la ville la plus cosmopolite d'Europe après Londres. En exil à Bruxelles à la fin du 19e siècle, Victor Hugo affirmait que c'était la plus belle place du monde. Chaque année, la Grand Place attire 2,5 millions de visiteurs du monde entier. Je suis allé presque partout en Europe. Et Bruxelles est l'une des plus belles villes. On a pris beaucoup de photos ces 10 dernières minutes. Je viens des Philippines. Cette place est superbe, c'est incroyable. Il y a de l'or, cette place est immense et l'architecture est fantastique. Un des monuments incontournables de la place est iranien. Youssef a découvert la Grand Place à son arrivée en Belgique il y a plus de 20 ans. Depuis, il l'a peinte sous tous les angles. Et aujourd'hui, il s'attaque à l'hôtel de ville et sa statue de Saint-Michel, le saint patron de Bruxelles qui surmonte la flèche. Parfois, je dessine Saint-Michel de l'autre côté. Et les gens, ils disent, sur dessin, c'est l'autre côté, pourquoi ça tournait? Je dis, il tourne. Hein. Saint-Michel tourne avec le vent. Youssef peint parfois d'autres lieux emblématiques de Bruxelles. Mais il ne s'éloigne jamais trop longtemps d'ici. J'aime bien ici parce que je rencontre toutes les nationalités. Je touche
plusieurs cultures, les Asiatiques, les Américains, les Australiens, les Européens, tous. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pas ennuyant ici. Lilo et Valérie ont consacré un livre à cet endroit. Pour leurs recherches, ils en ont examiné les moindres recoins, mais continuent pourtant de s'émerveiller. C'est terrible, on a toujours le nez en l'air parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, à gauche, à droite. Ça raconte une histoire et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. À l'origine, ce sont les troupes françaises qui ont défiguré la Grand Place. En août 1695, une pluie de boulets de canon s'abat sur Bruxelles sur ordre de Louis XIV. La seule maison qui est restée intacte au niveau de sa façade, c'est la maison de la Louve qu'on voit sur la Grand Place et qui a servi en fait de base à la reconstruction de la Grand Place qui a eu lieu dans les années qui ont suivi. Et c'est pour ça qu'elle est pour nous un très beau symbole avec son phénix en haut de la maison qui symbolise la renaissance éternelle de la Grand Place. Malgré qu'elle soit bombardée, elle renaît de ses cendres et encore plus belle qu'elle n'était à l'époque. En quelques années seulement, les Bruxellois la reconstruisent. Les maisons des corporations, comme la maison des Brasseurs, rivalisent d'opulence avec leurs statues et leurs dorures. D'autres, plus simples, appartiennent à des bourgeois. Il a fallu faire preuve de créativité pour mettre des maisons sur la Grande Place, parce qu'on n'est pas grande. Donc ce sont des maisons très très étroites, avec des hautes fenêtres, qui donnent un style tout à fait particulier. Et ce qui est très très étonnant, c'est que le bâtiment qu'on pourrait croire le plus ancien de la Grande Place, c'est la maison du roi. Et pourtant, cette maison du roi date du 19e siècle. Elle est la plus récente sur la Grande Place. Elle n'a pas encore fait l'objet de restauration comme le reste de la place. Face à la maison du roi, l'hôtel de ville domine la place. Aujourd'hui encore, on y célèbre les mariages. En costume d'albardier, Jean-Paul accueille les mariés lors de la cérémonie comme cela se faisait il y a plus d'un siècle. Moi, je fais ça depuis 6 ans maintenant. C'est un honneur, c'est un plaisir. On voit beaucoup de gens. Ça. Il y en a qui viennent de loin. Du moment qu'ils ont une adresse à Bruxelles, ils viennent se marier. Aussi bien des Canadiens que d'autres personnes. Ils sont fiers de se marier ici, hein, puisque c'est la plus belle place du monde. C'est à la nuit tombée que la Grand Place revêt ses plus beaux atours. L'hôtel de ville prend alors des allures de château de conte de fées. Mais la Grand Place n'est pas qu'un joyau à admirer. C'est le cœur de Bruxelles, un lieu de vie que chacun peut s'approprier de jour comme de nuit. Bonjour, on vous a prévenu de ma venue. Oui. Très bien, merci de m'accorder un petit peu de temps. J'avais envie de connaître un petit peu dans quel esprit vous aviez voulu cette exposition de René Magritte ici, dans un lieu relativement atypique quand même, qu'est l'Atomium. Oui, c'est un bâtiment original. Hein, oui. 9 boules, 9 sphères. Les gens ne savent pas toujours qu'on peut rentrer dans le bâtiment. Ils croient que c'est une sculpture. D'accord. Et en réalité, c'est des boules, des sphères énormes, 18 mètres de diamètre. Il y a des expositions. Et là, on a fait un choix, c'était de mettre Magritte. Il y a 50 ans, Magritte est mort. L'image de la Belgique, c'est le surréalisme. Magritte est le plus connu d'entre eux. Et donc, on a refait des œuvres de Magritte, mais on les a faites pour que les gens puissent rentrer dedans, que les enfants puissent jouer avec les œuvres. Et puis cet Atomium, il est aussi un peu surréaliste. C'était pour l'exposition universelle de 58 qu'il a été créé. Il a l'histoire de la Tour Eiffel. Oui, il devait ça. Être détruit comme la Tour Exactement. Eiffel. La Tour Eiffel a eu une utilité pour les antennes. Ici, ça n'avait pas d'utilité. Les Bruxellois s'y sont attachés. Bon, en tout cas, quand on vient ici, c'est difficile de ne pas avoir un atome crochu avec ce lieu. Il y a vraiment un truc qui se passe. C'est un atome de fer. Oui. C'est pas un atome d'uranium. Bon, merci Henri, merci. Bientôt. Votre temps. Bonjour tout le monde, je vous invite à regarder en haut.
Donc la vitesse de l'ascenseur est 5 mètres secondes, elle monte à 92 mètres en 22 secondes. En 1958, c'était l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Bonjour. Bonjour. Je cherche le stand de frites de Bébert, la moustache. Bébert, moustache, il est en bas dans la rue. Ok, merci. S'il vous plaît, merci, au revoir. Toc, 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 bonjour. Bonjour. Ça va, Albert? Ça va, et toi? Tu peux venir par ici, là? Ouais, je peux venir. Oh, ça sent bon, là. Si tu veux te faire cuire une frite, tu peux. Mais surtout apprendre à les faire. C'est quoi, là, le secret de la frite? D'abord, il faut les pré-cuire. D'accord. En fait, la première pré-cuisson, c'est de la graisse de bœuf, mais qui vient de la cuisse. D'accord. Donc, c'est une graisse qui pue, mais qui donne le goût à la frite. Ah. Et la deuxième graisse, c'est une graisse du ventre. Donc, elle est raffinée. C'est ça qui l'a fait croustiller. D'accord. Mais je connaissais pas le secret, tu vois. Donc, je te laisse enlever les frites. Elles sont bien, maintenant. Oui, elles sont bien dorées. Deux fritures, deux. Encore un peu. Encore un peu. Oh là, rien. Voilà, et puis tu sel. Beaucoup de sel, madame, c'est ça? Pas trop de sel, hein. C'est pas trop bon quand même, hein. Ah oui, il faut faire attention à sa santé, hein. Bon appétit. Merci. Ah oui, tu vas pas de main morte. Hein. Ah oui. Oh. Ça va, les gars? J'ai encore fait. On se débrouille très bien. Et la frite sont meilleure de frites qu'on va. Voilà. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Et pensez à respirer entre chaque bouchée quand même. Non, hein. Ouais, pas de problème. Il n'y a plus de frites. Voilà. On a tout vendu. C'est fini. Allez. Oh là là. Mais Albert, tu t'es métamorphosé. Ben oui, c'est quoi cette tenue? Tu es très élégant. Je fais partie de la Coupe des Moustaches de Bruxelles. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai appuyé ma friture, la friture des Dick Moustaches. D'accord. Parce que je fais partie d'un ordre dont j'ai été élu en 2016. La plus belle moustache de Bruxelles. C'est excellent. Et si tu veux, je te présente tout mon club. Ah ben ouais, je veux bien te suivre, ça m'intéresse. Eh bien, il n'y a pas de problème. On peut m'accepter même si j'ai... Oui, il n'y a aucun problème. Pas la moustache. Il n'y a aucun problème. Ouf. En fait, Albert, tu m'as jamais expliqué quel était ton parcours de vie. Avant de faire des frites, tu faisais quoi? En fait, avant, j'étais boulanger-pâtissier. Ouais. Et puis, les circonstances de la vie ont voulu que je me retrouve à la rue. Ah, carrément à la rue? Oui, oui. Donc, tout à fait. Tout d'accord. À fait, oui. Et il y a un monsieur que je ne connaissais pas du tout. Et je faisais la manche un peu. Et il est venu m'apporter tous les jours des sandwichs. D'accord. Que moi, j'ai accepté. Et puis, on a sympathisé. Et de lui, de là, il m'a donné quelques petits travails. D'accord. Et suite à ça, ça m'a encouragé. Mm. Et puis... T'as pris espoir grâce à lui. J'ai pris espoir, ouais. Oui. Et puis de ça, ben, je suis rentré dans le club des moustaches. J'ai fait la rencontre de quelqu'un dans les moustaches qui avait déjà des fritcottes. D'accord. Et c'est lui qui m'a un peu appris. Le métier de la friterie, voilà, et de tout ça. D'accord. Et me voilà lancé là-dedans. D'accord. Donc finalement... cet ordre des moustaches est un peu ta nouvelle famille. C'est cette famille qui t'a... Oui, tout à fait. C'est elle qui me donne la joie de vivre, en fait. Ouais. Parce que vous avez l'air d'être des rigolos, a priori, là, d'après ce que je vois. On adore. Les petites photos et tout ça. En fait, tout ça, et ce sont tous les trucs qu'on participe. D'accord. Donc, aussi bien sur le chapeau. D'accord. Ok, tous les événements, toutes c'est les choses. C'est tous les événements vous êtes conviés. Tout à fait. Bon, c'est chouette, bravo. Hein. Ben, on va relever la tête comme ça dans la vie. Hein. Quand on est dans les alentours de la Grand Place, c'est toujours ici qu'on vient. C'est le quartier général, tu veux dire? C'est le quartier général, en principe. Oh là, jouez les chapeaux, voilà, jouez voilà, la moustache. Voilà. Allez, les moustaches! Ouais! Oh là là,
quel accueil! Quel accueil! Ah ouais, c'est pas de la petite moustache là. Non, non, c'est d'accord. Voilà, la moustache de mammouth ou de buffle. C'est le buffle ou le mammouth là? Non, c'est plutôt le mammouth, pas le buffle. Vous êtes quelqu'un de très droit. Contrairement à lui qui est plus. Moi, c'est arrondi. Plus excentrique. C'est logique, hein. Il est très droit, lui, il est un peu arrondi. Ah ouais, mais c'est normal. Ça fait combien de temps qu'existe l'ordre des moustaches de Moselle? Plus ou moins 9 ans. Un jour, le long d'un comptoir, on a décidé de former un club où le fil conducteur, c'est un moustache. Chez lui, c'est très bien. Chez lui, c'est un peu moins. Mais le fil conducteur, voilà, oui, on peut le brancher. C'est le vrai fil, oui. C'est ça. Et le fil conducteur, c'était ça. Et défendre Bruxelles, le folklore de Bruxelles, la gastronomie de Bruxelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a du folklore bruxellois dans votre façon d'être? La zouance bruxelloise, parce qu'on ne se prend jamais au sérieux. La zouance, c'est ça, hein, ouais. Le mot, zouance, ça veut dire le côté, on va dire, décalé. Ouais. On peut oui, dire décalé, ça comme ça. Jamais se prendre. Le sérieux, c'est pas pour nous. Mais moi, j'aime ça. Si je t'explique comment je fais ma moustache pour troller... Ben, bah, dis-moi tout, allez, ça reste entre nous, vas-y. Moi, le matin, je prends un jaune d'œuf, enfin un œuf, je le sépare, je prends le blanc d'œuf, je le mouille, et puis après, je prends le restant, je mets du sucre, et ça colle. Oh là là. Mais alors, je te dis pas le soir, hein. Ça fait de la meringue, les femmes adorent. Bon, eh ben écoutez, on a envie de trinquer avec vous quand même, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Santé. Au moustachu. Santé. À votre accueil. Bruxellois un jour, Bruxellois toujours. Oui, c'est nous les moustaches de Bruxelles. On nous les envie tant qu'elles sont belles. Il y en a des petites, des grandes, des gentilles, pas de méchantes. Oui, c'est nous les moustaches de Bruxelles. Pas mal du tout. Moustache. Bravo. Bah, j'ai envie de vous applaudir. À Bruxelles, on ne plaisante pas avec le folklore. Alain porte même le titre officiel de bourgmestre de l'îlot sacré, un quartier du centre historique de la ville. On aime s'amuser, on aime faire la fête, on aime manger. On est Bourgogne, voilà, on est plutôt bourguignon. Et de ce côté-là, il faut dire que nous n'avons pas et nous ne laissons pas notre part aux autres. En tant que Bruxellois, nous sommes de bons vivants. Alain est un bourgmestre sans pouvoir, mais pas sans devoir. Il doit assister aux manifestations folkloriques qui ont lieu dans la ville. Aujourd'hui, c'est la cérémonie annuelle de la Corporation des Bouchers. Cet événement est comme un hommage au passé, au temps où les corporations de métiers étaient puissantes à Bruxelles. Pour l'occasion, ces membres s'habillent comme le faisaient leurs aïeux lors des processions au Moyen-Âge. La capitale belge compte 17 confréries de tradition gastronomique comme celle-ci, et cela continue de réjouir touristes et bruxellois. Ça fait partie de l'identité, c'est les traditions qui nous représentent à chacun. Donc les perdre, c'est devenir un peu tous globalisés, uniformisés. Et c'est ça qui fait la richesse, qu'on soit ensemble en Europe, mais chacun avec nos différences. Alain fait partie des nouveaux membres intronisés par la Guilde des Bouchers. Au nom de Chateaubriand, grand amateur de la bonne viande, j'ai l'honneur de vous introniser au sein des Guildes des Bouchers en tant membre effectif. Toutes mes félicitations. Il doit maintenant prêter serment en néerlandais. Maintenant, il faut faire l'examen. Ik zweer te zijn onder de kameroede van de gilde. Maar al heeft ça. Tot de duur. Voilà. Goed. Bravo. Le folklore est quelque chose d'important dans l'âme des gens. Parce que si on n'a pas de folklore, on n'a pas d'histoire. Et on essaye de reproduire tout doucement les traditions de l'ancien temps. D'autres organisations tentent elles aussi de perpétuer leurs traditions. À deux pas de la place royale, le musée des arbalétriers nous plonge dans un autre temps. La guilde de ces anciens défenseurs de Bruxelles compte une centaine de compagnons. Ils s'entraînent ici une fois par semaine, même s'ils ne tirent plus sur personne aujourd'hui. Ce soir est un peu spécial. Les tireurs participent au prix de la duchesse de Brabant, du nom de l'héritière au trône de Belgique. Les gagnants repartiront avec une médaille à l'effigie du roi et de la reine. Nous avons une médaille qui vient du palais royal. Elle nous a été octroyée parce qu'en fait, nous sommes un grand serment royal. La guilde des arbalétriers existe depuis la fin du XIVe siècle. À l'époque, les bourgeois décident aussi de défendre la ville et ainsi rivaliser avec la noblesse. Beaucoup arrivent ici d'abord par passion pour le tir à l'arbalète traditionnel.
Mais en devenant compagnon, il s'engage à faire perdurer les traditions historiques et folkloriques. C'est obligatoire pour un compagnon de défendre le folklore roussellois. Beaucoup de gens demandent à visiter la guilde. Ils sont obligés de recevoir une explication sur la guilde à Bruxelles et surtout l'arbalète dans finalement la défense de Bruxelles à une certaine époque, au Moyen-Âge, et le suivi de ce qui s'est passé après. Ça fait partie du folklore bruxellois. Les arbalétriers participent aussi chaque année à l'Omegang, une reconstitution historique de l'arrivée de l'empereur Charles Quint et de son fils Philippe à Bruxelles au XVIe siècle. Pour l'occasion, ils s'habillent comme les arbalétriers de l'époque. Là, je suis en 1549 et j'attends l'arrivée de l'empereur Charles Quint et de son fils Philippe II. En coulisses, des petites mains travaillent toute l'année pour entretenir armes, drapeaux et costumes afin que tout soit prêt le jour J. Dans cette pièce, j'ai au moins 229, voilà, 230 costumes. Les costumes de la cour de Charles Quint, dames, hommes, enfants, des petits pages. Et dans le costume, il y a le chapeau, les collants, la chemise. Et chaque costume est contrôlé, il doit être impeccable à la sortie. Les couturières apportent un soin particulier aux robes des élégantes de la Renaissance. Un ouvrage minutieux, fait à la main. Tout doit être parfait car l'Omegang est l'une des fêtes les plus importantes de Bruxelles. Tous ces ordres, toutes ces guildes qui continuent à exister aujourd'hui participent à la fois à une transmission de valeurs et une transmission de cet héritage des Bruxellois, mais aussi quelque part à cet esprit de fête qui est inséparable de l'esprit bruxellois. Guildes et confréries se retrouvent toutes pour l'Omegang qui a lieu deux fois chaque été. 1400 figurants rejouent le spectacle donné en l'honneur de Charles Quint et de son fils Philippe. Des nobles, des représentants du peuple et les guildes de l'époque défilent sur la Grand Place. Aujourd'hui, c'est un spectacle grandiose devant 2000 spectateurs qui montre que le folklore bruxellois est bien vivant. Coucou. Bonjour Véronique. Bonjour. On s'embrasse. Oui, les trois. Ouais, il faut que je m'y fasse. J'ai l'habitude d'en faire que deux, moi. Oui. Les Belges font trois. On est plus généreux. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Bon, tu regardais les boutiques, c'est chic. Oui, ce sont les Galeries Royales Saint-Hubert. Ce sont les premières galeries qui ont été créées en Europe. On a fêté les 170 ans. 170 ans, d'accord. Voilà. Et ici, on y trouve des boutiques plutôt quoi, de luxe. Là, je vois qu'il y a des boutiques de chocolat, mais de je vois aussi qu'il y a voilà, de des luxe, marques. Oui. Alors, c'est bien, pour les femmes, c'est très bien. C'est qu'il y a la partie chocolat praline, et puis il y a les bijoux. Les bijoux, voilà, donc, la maroquinerie. Je vois quelques marques. Oui. D'accord. Oui, oui. Alors, pourquoi on se retrouve ici? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous là? Alors, je t'ai donné rendez-vous ici parce que j'habite ici depuis 20 ans. T'habites à Bruxelles, tu veux dire? Dans les galeries. Ah, on habite dans les galeries aussi? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a à peu près 70 locataires. D'accord. Bon, alors Jérôme, dis-moi. Je suggère une chose, c'est qu'on aille à la maison, on dépose ton sac, je te monte ta chambre. D'accord. Et on va faire les courses. Allez, je suis. Quand on rentre chez toi, t'annonces ta couleur. Hein. On voit tout de suite que voilà, faire la cuisine, ça reste quand même ton activité principale. Mon royaume. Ouais. Oui. Ah bah oui, j'adore ça. L'idée, c'est de venir à la table d'hôtes. Oui. Bon, c'est très sympa. Tu vas avoir du monde ce soir, disons. Écoute, oui, une quinzaine, des gens qui ne se connaissent pas et qu'on va réunir et qu'on va mettre ensemble. Sympa. Et aussi, il y a une chambre d'hôtes pour les gens qui viennent de province ou pour des amis ou des connaissances ou toi. Parfait, ça. Super. Maintenant, il faut aller faire les courses. Ouais. Alors, on va aller goûter l'ananas pour ce soir. Voilà. Oui, pas mal. Prends des poivrons, ça va être sympa. À l'apéro.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais un poulet ou une patate. Qu'est-ce que vous... Un poulet, j'ai une citerne poulet de lit. Ou une belle patate. Ou une belle patate. Ouais. Voilà, super. Merci. Parfait. Super. Merci. 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 À tantôt. Alors Jérôme, je t'emmène chez mon chocolatier favori, Laurent Gerbault, le chocolat qui rend beau. Ah, ça va m'arranger ça. Oui. D'accord. Je te suis. Voilà. Oh, il y a plein de bonnes choses ici. Oui. Coucou. Ça va bien ? Oui. Salut. Jérôme, enchanté. Enchanté. Laurent. Salut Jérôme. Alors il paraît que tu fais un chocolat qui n'est pas un chocolat comme tout le monde. Ben, y a très peu de sucre chez nous. C'est surtout des fruits, des épices et quasiment pas de sucre. D'accord. Donc assez puissant en goût. On a nos propres recettes et... Tout est produit ici, alors? Tout est fait en frais. D'accord. On va aller voir dans, dans l'atelier. Ça, c'est une des recettes best-seller. Donc, c'est un praliné maison noisette du Piémont. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le caviar de la noisette. Noix de cajou grillée salée. Ça, ça provoque l'addiction, donc on ne sait pas s'arrêter. Un peu de chocolat au lait, un peu de chocolat noir. Et alors, le gruet de cacao. Moi, il y a toujours une question que je me suis posée. Non. On dit que le chocolat belge, c'est le meilleur du monde. Mais pourquoi ? Ben, historiquement, on a un gros fournisseur qui, au début du siècle passé, a commencé à récupérer toutes les recettes et à sous-traiter pour d'autres chocolatiers, confiseurs, biscuitiers. Et donc, grâce à ce know-how, il a vraiment amélioré ses recettes. Et aujourd'hui, c'est le plus gros en Europe, c'est Calbaud. Et c'est un Belge. Donc. Et c'est un Belge. D'accord. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, que très tôt, on a eu un chocolat industriel qui était meilleur que les autres pays, qui était plus fin, qui avait plus de cacao aussi. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est terminé, mais j'ai envie de vérifier quand même si ce chocolat est vraiment très bon. Parce que, bon, c'est ton avis, mais moi, j'aime bien donner le mien aussi. On peut le goûter avant comme la fin. Comme ça, hein. Tu peux me permettre ? Oui. Merci. Mmh. Merci. Il faut le mettre en bouche. En bouche, une fois. Sinon, t'as plus d'écharpe, plus de vêtements, c'est fini. Ah oui, j'ai une petite pâte qui file. Je vais plus parler pendant une minute. À faire des vacances à tout le monde, c'est très bien. Il y a plein de petits morceaux de noisettes, là, mais la torréfaction de la noisette est assez poussée, c'est super bon. C'est une noisette exceptionnelle. Il n'y a que 10% de sucre. Très bonne idée d'avoir choisi ça pour le dîner. Très belle idée. Jacques. Le grand Jacques. Ah oui, Jacques Brel. Oui. On dirait qu'il est en chocolat. Alors Jérôme, je t'emmène à la Bibliothèque nationale. D'accord, tu vas chercher des livres de cuisine pour tes recettes ? Pas tout à fait, c'est une surprise. Non, non, c'est quoi, tu vas faire quoi ? On est sur le toit, on est au 7e ciel. Sur le toit de la bibliothèque. Sur le toit de la Bibliothèque nationale. Et quoi, c'est un potager ? C'est un potager. Ah, c'est marrant. Ça va ? Ça va bien, et toi ? Très bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Enchanté. C'est vous qui vous occupez du potager ? Alors, ici, on est toute une équipe à s'en occuper. Ouais. L'idée est un peu de participer à la transition écologique. Ouais. Et donc d'utiliser des espaces, parce qu'en ville, effectivement, on a très peu d'espaces cultivables à même le sol. Et d'utiliser la potentialité des toits qui ont un ensoleillement favorable. Et du coup, d'utiliser cet endroit pour produire... Alors, à la base, on produisait des légumes, mais aujourd'hui, c'est essentiellement des plantes aromatiques et médicinales. OK. Donc, ça veut dire que n'importe qui, n'importe quel Bruxellois peut venir ici prendre quelques herbes ou faut faire partie d'une association ou d'un... Alors, le lieu, il est ouvert au public pendant les heures d'ouverture de la Bibliothèque royale. On peut venir se servir... Et on peut venir se servir de manière raisonnable. Oui, évidemment, ça reste un lieu de partage. Merci à vous. Et merci bravo. Jean. Alors Jérôme, on va prendre un peu d'aneth pour l'entrée. Je vais te donner le fenouil. Parce que le fenouil, on va le mettre dans une eau du robinet, une jolie carafe. Et ça va nous faire une eau aromatisée. Oui, ça. Petite odeur d'anis, là. Mm-hmm. Ça sent bon, c'est très délicat. Oui. Super. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, parfait. On s'en va. Je t'emmène au salon et je vais te présenter
les invités. Avec plaisir. Voilà. Oula, il y a du monde, dis donc. Ben oui, écoute, on est une quinzaine. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous présente Jérôme, mon hôte du week-end. Voilà, c'est moi qui loge ici. Voilà. Ah, voilà. Et je suggère que nous allions tous à table. Pourquoi pas, hein, c'est pas voilà. On va passer à table, alors. Tu me mets deux cuillères. Deux cuillères. Ouais. Tu le remplis jusqu'au bord ? Non, deux cuillères. Tu essayes de centrer. Oui, je vais centrer. Là. Et donc là, tous les convives qui sont là ce soir sont des gens qui viennent régulièrement. Il y en a des nouveaux. Comment c'est ? Il y en a des nouveaux, il y en a des réguliers, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et alors, les gens, c'est quoi ? C'est le bouche à oreille qui fait que. Oui. Et voilà, c'est moi qui prends le petit coin. Ça vous va? Vous n'êtes pas trop... Oui. Je vous ai fait un tartare de matcheuse. Matcheuse, haricots princesse, Granny Smith et avocat sur le dessus en décoration. Eh bien, santé à l'honneur. Oui. On va applaudir la cuisinière alors. C'est parti. Hein. À Bruxelles, le beau n'est pas toujours là où on l'attend. Pour le rencontrer, il ne faut pas hésiter à descendre sous terre. Ce petit groupe va y passer l'après-midi. Dès le départ, les concepteurs du métro décident d'en faire un véritable musée. On va se dire, les gens n'ont pas l'habitude d'être en souterrain. Il faudra essayer que ce soit plus joyeux, que ce soit un peu animé. On imagine bien ces petits personnages qui reviennent de vacances, qui vont au boulot, qui s'agglutinent tous dans le métro. Marie organise régulièrement ses visites culturelles. D'un quai à l'autre, elle fait découvrir les richesses du métro qui abrite plus de 80 peintures, sculptures et photographies. Ne va pas au musée, tout le monde ne va pas dans des galeries, mais ici, eh bien, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, eh bien, les visiteurs sont confrontés à l'art. L'idée est de promouvoir les artistes contemporains belges. Chacun à leur manière, ils apportent un peu de poésie aux stations. Ces personnages suspendus dans l'espace, comme attirés par un astre, étonnent le voyageur. Ils sont l'œuvre de Paul van Hooijdonk, connu dans le monde entier et même au-delà. Il est le seul artiste à avoir une œuvre sur la Lune. Ah bon ? Oui, c'est un petit personnage de 9,5 cm qui est en aluminium et qui a été déposé sur la Lune par la mission Apollo 15. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que je vais m'attarder un peu plus quand je prends le métro dans les différentes stations pour regarder, pour ouvrir les yeux. À Bruxelles, les rames de train peuvent vous emmener loin, très loin, jusque sur les toits. Ce wagon accueille les voyageurs dans le quartier de Steinbeck, au nord de la ville. Le train-hôtel existe depuis 2015. Il est le fruit de l'imagination débordante de cet hôtelier 100% bruxellois. On va fermer parce que on va garder un petit peu de chaleur pour les clients. Et donc, vous voyez, ceci, bah, c'est un véritable segment de voitures de chemin de fer qu'on a évidé, qu'on a un peu reconstruit pour faire un petit peu plus luxueux, mais qui a gardé tous ses éléments d'origine, ses fenêtres, ses portes, tout ça, c'est tel que c'était, tel que ça circulait sur les voies ferrées européennes jusqu'en 2007-2008. Pour donner à cette suite des faux airs d'Orient Express, Nicolas a écumé les brocantes et récupéré des objets auprès de passionnés. Tout l'hôtel nous plonge dans l'univers ferroviaire. Et cette banquette peut faire un lit supplémentaire. Nicolas a poussé son idée jusqu'au bout. Il a acquis deux wagons entiers auprès de la Société des chemins de fer belges. À l'intérieur, d'authentiques cabines couchettes avec vue sur la ville. Et ben là, on voit le palais royal. Le roi est chez lui. Le drapeau est sorti. Ces voitures pèsent 30 tonnes. Pour les installer sur le toit de cet immeuble centenaire, il a fallu renforcer tout l'édifice. Un projet hors norme que Nicolas n'imaginait pas faire ailleurs qu'à Bruxelles. Il fallait tomber sur des responsables urbanistiques et politiques aussi cinglés que moi. Et c'est la caractéristique de Bruxelles, je crois, cette espèce de folie de vouloir quelque chose qui sort de l'ordinaire, de vouloir explorer. Je suis pas sûr qu'il y ait tellement de villes qui soient prêtes à faire ce genre de concept différent. Venus de Porto Rico, ces trois touristes ont passé leur première nuit dans cette cabine.
La première impression, ça a été la surprise. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. On aime beaucoup et on en profite. À Bruxelles, un train peut en cacher un autre. Place Pollard, dans le centre-ville, ses passagers embarquent pour un voyage insolite. C'est un véritable restaurant gastronomique itinérant. Alors, messieurs, dames, le Tram Expérience vous propose un petit menu philippin. Pour bien commencer la soirée, votre première mise en bouche, c'est donc une betterave rôtie sauce aigre douce accompagnée de gingembre. Conçu à chaque fois par un chef renommé, le menu est renouvelé tous les deux mois. L'équipe a dû s'adapter pour assurer le service à bord. L'avant a été aménagé en cuisine. C'est là que Grégory et sa collègue terminent de préparer les plats. On voit pas ça partout. Il faut un petit peu d'habitude. Au début, c'est pas facile, mais on s'y fait et ça va plutôt bien. Le temps d'un dîner, le tramway traverse plusieurs quartiers et passe par des lieux emblématiques de la ville, comme la place Montgomery ou encore l'avenue Tervuren. Pour près d'une centaine d'euros par tête, la trentaine de convives passe une soirée loin du train-train quotidien. Pour le 30e anniversaire de ma fiancée, comme elle prend tous les jours le tram et moi pas du tout, donc je me suis dit autant prendre le tram une fois en classe. Quoi. C'est ce qu'on a fait ce soir. C'est une très bonne initiative. J'adore parce que je connais Bruxelles depuis 26 ans. Je suis québécoise, canadienne. Et je redécouvre Bruxelles. C'est extraordinaire. À l'origine prévu pour une année, le tramway restaurant existe depuis 5 ans et continue de montrer un autre visage de Bruxelles. Créative et innovante, la capitale belge n'a pas fini d'étonner les visiteurs. Bonjour, j'ai arpenté le marché aux puces ici pour te trouver. Tu es en train de chercher des histoires pour t'inspirer pour ton théâtre de marionnettes. Ah oui, je vais trouver là, hein. Il y a de tout. Hein. Tu viens souvent ici? Oui, c'est ici que je trouve tous les accessoires du théâtre. D'accord, ben, on va jeter un oeil, je vais t'aider à trouver peut-être ton bonheur. Là on sait qu'on est en Belgique, tu vois, il n'y a pas de doute. C'est le marché aux puces le plus connu de Bruxelles ici? Oui, c'est tous les jours en fait. Ça c'est assez unique. Mmh. Et c'est un endroit qui est très populaire à Bruxelles. Mmh. Par exemple, ils ont voulu réaménager le quartier ici il y a un an et demi. Ouais. Et ça, il y a eu un tollé. Vraiment, les Bruxellois ont lancé des pétitions et tout ça pour vraiment maintenir ce lieu tel qu'il est en fait. D'accord, ça fait partie de l'âme bruxelloise. Oui, ici on est vraiment dans le cœur de Bruxelles. Et alors, on y voit des tas de personnages charismatiques bruxellois. Ouais. Ah ben voilà. Ah, les marionnettes, ouais. D'accord. Il y en a deux de chez nous. Un arlequin des années 60. Et l'autre, c'est un cardinal de Richelieu, qui est plus récente. D'accord. Bonjour. Je me posais la question de savoir combien vous vendiez cette marionnette. La marionnette, là, il faut 200. 200 ? Oui. Et celle-là, il faut 100. Ah, c'est une affaire, hein ? Ah oui ? Ah oui, c'est une affaire. Combien ça peut coûter ? Bon, moi, j'en ai déjà 1400, hein. Alors, oui, alors je vais pas sauter dessus, mais... Donc ça, c'est une marionnette qui vient du théâtre d'automne.
Oui, ton théâtre. Oui, c'est typiquement une marionnette bruxelloise. Il y avait une cinquantaine de théâtres de marionnettes traditionnelles à Bruxelles. Celui-là, il a dû jouer chez un tône du passé, hein, donc probablement c'est tône 6. Ton papa, peut-être ? Tône 6 ou mon père, tône 7, oui. Tône 7. Alors le théâtre de tône, il existe depuis quoi ? 1830. Ouais, donc chaque génération a eu son numéro. Toi, t'es tône combien ? Tône 8. Tône 8. D'accord. C'est bientôt l'encyclopédie, hein. Ouais. En 18 tomes. C'est ça. Merci, monsieur. Merci. Bienvenue au théâtre de Tône. Merci, je suis content de voir tes marionnettes et ton lieu. Et donc ici, nous arrivons dans le musée, qui sert également d'estaminet pendant l'entracte. Waouh, génial. Et donc, on a les marionnettes les plus anciennes, hein, donc fin 19e, début 20e. Par exemple, là, on voit les trois mousquetaires avec des yeux en verre, des cheveux naturels. C'est absolument fabuleux, j'adore. Ça fait combien de temps que le théâtre existe ici, en tant que théâtre de marionnettes ? Mon père a commencé donc dans ce bâtiment-ci en 63. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure, toi, de continuer son travail de marionnettiste et de conteur ? Je ne sais pas comment il a fait son compte pour m'entraîner dedans, ouais. Mais bon, moi, je suis né là-dedans aussi. Mmh. Hein. Et puis bon, j'ai fait du théâtre à l'école, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai fait le conservatoire après l'école. Ah, t'es fort. Donc t'es comédien de formation. Oui. Toi. Donc ça veut dire que c'est toi le conteur, ouais. De chaque pièce. Ouais. Waouh. Quel boulot! Il faut essayer, hein! Ah, mais j'ai envie d'aller voir déjà les coulisses, moi, je suis comme un gosse là! Donc c'est ici, hein? Ah, c'est sous les toits, c'est super mignon, j'adore! Et les marionnettes ici. Un peu partout en plus, là, encore. Ah oui, on a 35 pièces au répertoire! Ouais. Et ici, on a l'équipe! Ah. Bonjour l'équipe! Bonjour! Ah, vous êtes super bien caché, on voit que vous avez l'habitude, hein! Je peux venir vous voir? Ouais? C'est petit, hein. Je sais pas, oui, j'imagine que ça va demander une espèce de dextérité déjà à manipuler, plus dans un endroit exigu comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont marionnettistes, j'ai l'impression que les garçons sont pas assez adroits, c'est quoi l'idée? Oui, 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 c'est pas fait exprès, mais non, en effet. Tout dépend des équipes. Ouais, il y a un garçon pour 5 femmes dans l'équipe. Femmes, ouais. Bon, je vais vous laisser peut-être vous échauffer. On va faire un petit raccord de la deuxième scène, ouais. Mon Dieu! Ça doit être lui! Mademoiselle, bonjour. J'en suis Quincy Maurice. Ah, enchanté. Je m'appelle Mina. Arthur! Arthur! Oh, c'est vous. Ouais, j'aimerais vous emmener là-bas, dans le Far West, en Amérique. C'est une demande en mariage. Hein? Ah ouais, ouais, si vous voulez, ouais. On fera du rodeo. Et guili, 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 guili. Tenez, voilà pris. Oui. C'est génial, j'adore. Quelle énergie ça doit te demander. C'est incroyable c'est de passer. Sport, hein. Puis même vocalement, enfin, c'est un exercice super compliqué. Pour nous tous, hein, c'est. C'est physique, oui. C'est physique, oui. Combien de temps il faut à peu près avant d'arriver à manipuler correctement une marionnette? Bah, pour réussir à manipuler, je pense en un mois, on peut faire un spectacle. Mais après, pour avoir vraiment un beau jeu et que ce soit vraiment intéressant à regarder, il faut quand même quelques spectacles dans les pattes. Après 3 spectacles, c'est assez beau. Et puis. Après, on s'améliore à chaque fois, quoi. J'essaierai bien. Tu me permets? Alors, ça, c'est D'Artagnan. Ah ouais, très bien. C'est bon, j'essaye, hein. Bah, j'ai fait faire du moonwalk plutôt, moi, non? Là, il faut la lever, carrément. Mais en fait, vous pouvez s'imaginer ça pour apprendre que la marionnette est extrêmement saoule. Ça, c'est le premier truc. Ah ouais, et après, au bout d'un moment, bah, on apprend à le faire de manière beaucoup plus menue et... D'Artagnan traîne un peu les pieds, hein. Non, c'est bon, c'est bien. Merci, bon spectacle, un gros merde. Je sais pas si on dit ça en Belgique, mais chez nous on dit ça. Mais,
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous allez voir un grand classique, c'est Dracula. Ah. J'en dis pas plus, amusez-vous bien. Merci. Quelle ambiance. Monsieur le comte, je suis Dracula. Entrez sans crainte. Depuis plusieurs années, les Bruxellois affirment davantage leur identité et s'enthousiasment pour le savoir-faire belge. C'est le cas de Pouria, un entrepreneur. Il fait imprimer ses nouveaux t-shirts dans cet atelier de sérigraphie dans le centre de Bruxelles. Ça se passe bien. Ça se passe en pleine production. Hein. Le fait qu'il soit deux couleurs pour les superposer, parce que sur le dessin avec le maillot jaune de Eddie. Non, mais je fais un deuxième passage. Aujourd'hui, il suit la fabrication d'un nouveau t-shirt qu'il a imaginé. Pour chaque création, il puise l'inspiration dans la culture populaire belge. Donc on avait fait ce modèle-là, où on rend hommage au fait à Eddy Merckx. Et Eddy Merckx qui est bruxellois et qui a gagné beaucoup de fois la Tour de France, donc d'où le maillot jaune. Et vaut le gaz, en bruxellois, ça veut dire vas-y à fond, quoi, à fond les gaz. Et Pouria s'est lancé à fond dans le commerce de ses vêtements 100% belges. Il a même quitté son métier d'architecte pour lancer, avec sa compagne, sa propre affaire. Il en est convaincu, le Made in Belgique a de l'avenir. On s'est rendu compte, en fait, il y avait énormément de créateurs en Belgique qui faisaient de très belles choses. Et ceci nous a fait basculer dans le Total Made in Belgium. Il y avait assez de créateurs pour faire un petit magasin, rien qu'avec des locaux, quoi. Dans le quartier de Matombé, la boutique qu'il a ouverte avec sa femme est une véritable caverne d'Ali Baba à la gloire du plat pays. Tout est produit localement. Robin est l'un des créateurs avec lesquels il travaille régulièrement. Salut Pouria. Hey Robin, comment va? Ça va et toi? Ça va. Je te dérange pas? Non. Alors. Je voulais vous demander votre avis par rapport à un projet de développement que j'ai. Ouais. Donc en fait, ça change un petit peu du modèle actuel. Ça fait un modèle un peu plus épuré. Son créneau, c'est de détourner des objets présents dans la culture locale. Ces poivriers, par exemple, ont été créés à partir de boules de billard. Et dans ce domaine, la Belgique est le leader mondial. Le snooker qu'il y a ici sur ces poivriers ou le billard américain, c'est pas directement quelque chose de belge, mais c'est quelque chose que nous, tous les Belges, on connaît. Et puis quand il y a les couleurs noir, jaune, rouge, bah, ça rappelle la belgitude. Une cinquantaine de créateurs inspirés par cette belgitude vendent leurs produits dans cette boutique. Quelque part, le belge devient un petit peu tendance, quoi. Et du coup, bah, c'est gai aussi de pouvoir l'apprécier en interne, en fait, et de se dire bah, que oui, on a des chouettes choses et on peut les revendiquer. La belgitude a aussi la cote dans l'assiette. À deux pas de la Grand Place, ce restaurant a une particularité. Il ne sert qu'un seul plat, le stoum. C'est un plat qui est apparu pendant la guerre, dans les années 40. C'était un peu le repas du pauvre, comme c'était un peu un temps de crise. Le stoump, c'est le plat populaire bruxellois par excellence. C'est toujours une base de pommes de terre, donc écrasée de pommes de terre. Et après, avec ça, on rajoute le légume, justement. Et dans la cuisson, on rajoutera de la noix de muscade et l'assaisonnement. Et chez nous, on rajoute un soupçon de crème et de beurre pour la liaison, l'onctuosité. Après, si on va chez ma grand-mère, elle va dire que c'est blasphème. Mais si on le fait comme ça, on le revisite de cette manière. D'habitude, cette purée est accompagnée d'une saucisse de campagne traditionnelle. Mais ici, on la sert aussi avec un steak de bœuf, du poisson ou de la feta au miel de truffe. Le stoump revisité plaît autant aux Bruxellois qu'aux étrangers. Saucisse de porc, saucisse de canard avec épinards. Personnellement, à la maison, c'est souvent aux carottes. Mon gamin adore les carottes. C'est le seul moyen de faire manger des légumes aux enfants. Je connaissais pas les spécialités belges. Il y a deux secondes, je disais le stump. Je sais pas l'origine du stump, si c'est exactement ce plat-là. Mais en tout cas, revisiter de cette façon-là, c'est très bon. L'engouement pour la culture belge fait le succès du restaurant.
Il offre aussi de nouvelles perspectives pour les artisans bruxellois. Ouverte en 1923, cette émaillerie est la dernière de Belgique. Depuis plusieurs années, elle connaît un second souffle grâce aux collectionneurs, très demandeurs de ces plaques en émail. Donc ici, c'est une partie de la collection, la propre collection de l'émaillerie belge. De l'un côté, on voit tout ce qui est les panneaux de art. Puis l'autre côté, c'est la plupart, donc comme vous voyez, par exemple, Tintin ou d'autres bandes dessinées, Blake et Mortimer, etc. C'est toujours des productions limitées, numérotées, directement vers les collectionneurs. Une plaque Tintin vaut par exemple entre 3 et 5 000 euros. Aujourd'hui, Agim doit s'occuper d'une plaque rare, un dessin qui réunit les Schtroumpfs et autres personnages imaginés par l'auteur de BD belge, Peyo. Toutes les couleurs sont déjà fixées, mais cette plaque va passer une sixième fois au four. On cuit ça à 780 degrés. Cette opération d'une demi-heure permet d'améliorer les contrastes et la brillance de l'image. C'est très bon. Quand c'est cuit, les couleurs, ça reste à vie. Oui, ça, ça vibre pas. La qualité de l'émaillerie belge est reconnue dans le monde entier. Par exemple, c'est ici qu'ont été fabriquées toutes les plaques du métro parisien. Un rayonnement international qui fait la fierté de ses employés. Les enfants, ils en ont marre parce que quand on part en congé, je suis là, je dis « Ah, ça vient de chez nous, ah, c'est à nous ». À chaque fois, on retrouve du travail de l'émaillerie. Grâce à son savoir-faire et à ses créateurs, Bruxelles n'a pas fini de faire parler d'elle. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Tu te vois déjà affairé? Oui, content de te rencontrer. Ils t'ont enfermé, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de sortir? Oui, mais ils m'ont donné la clé. Voilà, c'est très important. Bon, tu prépares il y a quoi, une cérémonie officielle aujourd'hui? Aujourd'hui, en effet, il y a Mannequin Peace recevra un tout nouveau costume. Et donc, j'installe un drapeau qui servira à cacher le costume. Comme ça, il y aura un effet de surprise avec un dévoilement. Et toi, tu es l'habilleur officiel, c'est ça? Exactement. Donc, je suis l'habilleur officiel de Mannequin Peace. Et le 13e qui occupe cette fonction depuis le 18e siècle. Donc c'est vraiment un honneur que me fait la ville de Bruxelles, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc voilà, à la base c'est une fontaine publique, et les gens qui habitaient le quartier, ils venaient chercher l'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, donc ils venaient chercher l'eau pour la journée. Et une des légendes les plus connues sur Mannequin Peace, c'est qu'il y a un petit garçon qui s'appelait Julien, et il y a quelques siècles, il a vu une bombe ici qui allait faire exploser Bruxelles. Et il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour éteindre cette mèche? Il a utilisé les moyens du bord, il a uriné dessus et il a sauvé la ville. D'accord. Donc, pour le remercier d'avoir sauvé Bruxelles, on lui a fait une statue à son effigie. D'accord. Maintenant, après avoir vu ceci, je t'invite à aller voir la garde-robe de Mannequin Peace. Ah oui! Là, il a été revu, revisité façon hip-hop. Là. Ah oui, bien c'est sûr. Drôle. Bien sûr, bien sûr. Ça attire le regard, ça attire le visiteur, c'est chouette. Bonjour Gonzague. Salut Nicolas. Je te présente Jérôme. Bonjour, enchanté. Bienvenue à la garde-robe. Gonzague, c'est le conservateur de la garde-robe Mannequin Peace. C'est un titre unique au monde, comme ton métier d'ailleurs. Exactement. Hein. Vous faites des activités qui sont insolites. Oui, hein, mais c'est une collection complètement insolite. Ouais. Puisque c'est une collection qui a bientôt 1000 costumes. Oh. Et chaque année, il en reçoit entre 20 et 25 nouveaux. Donc c'est vraiment une collection muséale complètement atypique. D'accord. Alors que c'est quoi? C'est un cadeau qu'on fait? Oui, c'est ça. Donc c'est un pays ou des associations culturelles, sportives, étudiantes, qui offrent un costume à Mannequin Peace. Nicolas est également le secrétaire particulier de Mannequin Peace. Et il organise son agenda des habillages. Et Mannequin Peace est habillé à peu près 130 fois par an. Oui. Ah ouais. Alors quels sont les costumes les plus étonnants que tu puisses me montrer par exemple? Ici, on a une copie à l'identique du costume original le plus ancien que nous ayons dans cette collection incroyable. Il date du milieu du 18e siècle. Ah oui. En fait, c'est un costume qui a été offert par le roi de France Louis XV. Incroyable. Les costumes jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale ne respectent pas la pose
du pisseur, d'accord, en fait, parce que c'était assez compliqué à coudre. Et donc, les bras sont cachés par le costume et on a des faux bras cousus par-dessus. Okay. Mais ça n'allait pas. On se dit que quand même, une fois habillé, il doit pouvoir quand même continuer à faire le geste pour lequel il est connu dans le monde entier. Oui, c'est un petit peu ça. Donc, ça, à partir de là, les costumes seront mieux coupés. Donc ici, nous sommes dans la salle de la milice de l'hôtel de ville de Bruxelles. Okay. C'est cette salle qui va accueillir la remise du nouveau costume à Mannequin Peace. C'est du monde, je suis impressionné. Hein. Le nouveau costume sera offert par le centre informatique de la région bruxelloise. C'est un costume d'informaticien. Le costume qui est offert à Mannequin Peace est conçu sur une base en coton avec des composants informatiques comme des processeurs, des circuits intégrés, des diodes, beaucoup de fils, gainés aux couleurs du cirque. C'est la première fois qu'il y a un costume à l'ère numérique pour Mannequin Peace et sans doute pour n'importe quelle statue dans le monde. Nous sommes donc en avance. Merci beaucoup, Président. On va donner à Nicolas qui est notre habilleur officiel. Merci beaucoup. À Mannequin Peace. Merci, Madame Leschwin. Voilà. D'habitude, c'est moi qui l'habille. Ouais. Et aujourd'hui, je vais te passer la main. Et donc, je vais te mettre au défi d'habiller Mannequin Peace. Non. Donc, c'est la première fois que quelqu'un qui ne fait pas partie du staff Mannequin Peace, si je peux dire ça comme ça, d'accord, va pouvoir déjà toucher Mannequin Peace. Ouais. Et puis l'habiller. Oh. Voilà. Bah, je te donnerai un coup de main. Je suis très honoré. Voilà, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Alors, quelque chose de très important à faire avant d'habiller Mannequin Peace, c'est quoi, à ton avis? Peut-être couper ce petit filet c'est d'eau. C'est une très bonne idée. Hein, voilà, donc il y a juste un simple interrupteur ici, avec la clé, et voilà. D'accord. C'est magique. Voilà, tu te places ici. Je vais mettre l'échelle ici dans l'eau. Voilà le costume. Tu peux mettre son tralala ici, alors. Je mets son... Ou son tralala, ici. Le son... tralala, ici. Oui, d'accord, le tralala. D'accord. Voilà, là, on voit directement qu'il est bien placé. Ça a l'air de tenir comme ça. Il est beau comme un camion. On va pas faire de court-circuit, attention. Hein. Attention. Attention, pas de court-circuit, mon petit bonhomme. On attend maintenant le cortège officiel. Très bien. Bonjour. Bienvenue à tous et à toutes. Oui. Encore une fois, une date historique. C'est le 978e costume qui est là. Vive Bruxelles, vive notre quête. Mannequin Peace, petit gars de Bruxelles. Mannequin Peace, mignon porte-bonheur. Mannequin Peace, arrose les plus belles. Mannequin Peace, arrose tous les cœurs. Et quand tu fais, oh là là, et refais. Mannequin Peace, l'immense innocence sort en plein jet de son petit sifflet. Le monde entier se retrouve à Bruxelles. Plus d'un tiers des habitants vient de l'étranger. Et les Français sont les plus nombreux. Catherine est arrivée ici il y a 23 ans avec le père de ses enfants. Après avoir vécu toute une partie de ma vie donc en Tunisie, au Brésil, au Koweït, c'est vraiment ici que j'ai posé mes valises et que c'est mon chez-moi. Elle enseigne à l'Alliance française depuis 20 ans. Donc vous allez prendre votre livre à la page 104. Elle apprend aux expatriés les subtilités de la langue de Molière, une des deux langues officielles de Bruxelles. Dans cette classe, ses élèves sont roumains, grecs, allemands ou encore brésiliens. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre? Article? C'est... Voilà, c'est un article. J'adore ce travail. J'enseigne, mais j'apprends aussi énormément de choses parce que
Il y a toutes ces cultures différentes dans la classe qui me nourrissent aussi. Cette Parisienne d'origine s'épanouit à Bruxelles, où elle a réveillé sa passion d'enfance, la photographie. La ville est devenue son terrain d'exploration favori, peu importe la météo. Si on veut capter des atmosphères de la ville aujourd'hui, par exemple, c'est un jour idéal. Il y a un beau ciel gris, un petit peu de bleu. On a vraiment les couleurs de la ville, je trouve. Pour moi, c'est une ville qui est beige, jaune, orange, rouge et grise. Appareil photo en main, elle vient souvent chercher l'inspiration dans le quartier populaire des Marolles. Pour pleinement apprécier les lieux, il faut savoir garder les yeux ouverts. Je vous explique. Catherine développe un projet plus intime sur Bruxelles, une galerie de portraits de ses habitants. Pour cela, elle n'hésite pas à aborder les gens dans la rue. Je peux vous prendre en photo avec votre chien. Bonjour. Bonjour madame. Je vous ai photographié il y a une dizaine d'années sur une brocante à Haut-Lieu-Saint-Lambert. Et alors, est-ce que je peux vous reprendre en photo? Ouais. Enfin, si ça vous embête pas. Bonjour madame, excusez de vous embêter. Monsieur, l'esprit de Bruxelles, c'est de pouvoir être comme on a envie d'être, être libre. C'est la place à toutes les individualités, je dirais. Aujourd'hui, Catherine, la Française, se sent avant tout bruxelloise et ne s'imagine plus vivre ailleurs. Ce même sentiment anime Björn et Julia, qui se sont rencontrés ici il y a 17 ans. Lui est allemand, elle est russe. Il y a 2 ans, ils se sont pris de passion pour le fameux chocolat belge, au point d'en faire leur métier. Et ils n'envisageaient pas de s'installer ailleurs qu'ici. L'amour pour le chocolat, c'est encore beaucoup plus intense et concret ici en Belgique qu'ailleurs. Donc on se dit, non, il faut faire quelque chose, un projet comme celui-ci, il faut faire à Bruxelles. Le couple produit son chocolat de A à Z. Björn et Julia le vendent en tablette, mais ils servent aussi des chocolats chauds, la spécialité de la maison. Un bon chocolat. C'est le chocolat chaud de la République dominicaine. Au moment d'ouvrir leur boutique, venir de l'étranger n'a pas été un frein pour Björn et Julia. Les Bruxellois sont très tolérants envers des cultures différentes. Donc ça, c'était très attirant pour nous, je pense. Et jusqu'à présent, personne ne nous a jamais approché et dit oh, « Vous êtes russe et allemand, vous dites que vous faites le chocolat belge. » C'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé au esprit. Évidemment, on fait le chocolat belge ici. Avant de faire du chocolat, il travaillait pour l'une des nombreuses organisations internationales qui ont choisi de s'installer ici, au cœur de l'Europe. Plus de 30 000 personnes ont un emploi dans les institutions européennes. C'est le cas de Klaus. We are going to spend the next hour together, talking about Committee of the Regions, what our tasks. Sa mission, faire connaître au public le Comité des Régions, qui représente les pouvoirs locaux au niveau européen. Originaire de Münster, en Allemagne, il est arrivé à Bruxelles pour finir ses études. Lui aussi a choisi d'y rester. Le week-end, Klaus et son mari, Pierre, aiment dîner dans cette brasserie construite en 1886, où Jacques Brel avait ses habitudes. C'est vraiment un endroit qui est magnifique, parce que vous voyez le cadre, c'est vraiment art déco. Et voilà, c'est ça. L'histoire parce que c'est beau et ils ont gardé l'esprit en fait à travers le temps. On vient ici pour savourer des spécialités traditionnelles. Carbonade flamande pour Pierre et waterzooi de poulet pour Klaus. La gastronomie belge, c'est formidable. Elle vaut la gastronomie française, j'insiste. Elle est meilleure. C'est pour ça qu'on ne compte pas le temps ici en année, on compte plutôt en kilo. Moi, je suis d'une famille protestante, donc c'est toujours dire, voilà, on est sur terre pour travailler. Mais ici à Bruxelles, on apprend à vivre, on s'amuse. Comme Klaus, beaucoup arrivent pour un temps, mais finissent par rester, séduits par l'art de vivre à la bruxelloise. Thank you.
Bonjour. Je vais prendre un Guatemala Antigua. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Bonjour. Bon dimanche. Bonjour madame, je cherche le studio dans lequel enregistre Nick et Flup. Oui, c'est au studio bleu, tu prends l'ascenseur à la troisième. Ça marche, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur Vivacité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre le bruxellois. Et pour ce faire, Nick et Flup sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une fable. Un grand classique, ce sont les fables de Jean de La Fontaine. Par exemple, le loup et l'agneau qui deviennent en bruxellaire le loup et le lemmeke. Ouais, et Jean de La Fontaine, c'est Jan van de Pomp. Hein? Ah bah, hey, ça, ah, oui. Je veux. Ah, oui. Regarde un peu. Viens, viens. C'est Jérôme, dit. Voilà. Mettez-vous, comme on dit à Bruxelles. Ah, vous allez devoir apprendre. Ça va? Jérôme, bienvenue. Donc Nick. Nick. Et Philippe. Qui vient. Flup. Qui vient. Alors, installez-vous, Jérôme. Vous apprenez sur la RTBF aux bruxellois à parler leur langue, le bruxelleur, la langue d'ici? Oui, le bruxellaire. Donc en fait, on veut essayer d'un petit peu rendre vivante la langue bruxelloise et son esprit aussi, surtout. Ouais, parce que, bon, la langue, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est l'esprit bruxellois qui est ce qu'on appelle la zouanze. C'est cette manière de se moquer de plein de choses, mais surtout de se moquer de soi-même aussi. Ouais, en fait. C'est un esprit décalé, en voilà. Tout cas. On va terminer avec l'insulte du jour. C'est l'insulte schive lavabo. Lavabo, c'est pas compliqué. Lavabo, oui, c'est pas bon, ça va, oui. Voilà. Schive, ça veut dire de travers. Donc, lavabo de travers. Il est un peu tordu, quoi. Il est pas. Oui, il est travers dans sa tête. Allez, vous êtes un peu, vous, schive, lavabo, tous les deux ou pas? Oui, et on assume. Oui, oui. On peut le dire. Il faudra revenir, Jérôme. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain, comme vous dites. Salut! End of cost. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Si on pouvait donner l'amour de cet esprit, de cette langue à des jeunes, eh bien, bah, ce serait génial, quoi. Ouais. Finalement, c'est une langue bien vivante portée par des bons vivants. Ah oui, hein, c'est ça. Il y a du monde ici, en tout cas. On voit qu'on est dimanche. Souvent, le dimanche, ici, c'est vraiment un but de promenade. Hein, c'est vrai qu'on est au Bois de la Cambre, ici. Hein, ouais. Donc, c'est, disons, parmi tous les espaces verts qu'on a à Bruxelles, mais c'est sûrement parmi les plus grands, en fait. C'est assez impressionnant. Et c'est précieux, finalement, en pleine ville, d'avoir comme ça... Des poumons, comme ça, poumons verts. Un poumon vert, oui, voilà. Tout à fait. Je crois qu'on parle de 7500 hectares d'espaces verts. On peut dire qu'on est parmi les capitales les plus vertes d'Europe. Oui, je pense, oui. Je pense, oui. Je comprends rien, là, tu m'emmènes au cimetière. Eh bien oui, Jérôme. Ah, oui, mais c'est vrai que ça peut sembler un peu désarçonnant, comme ça, le cimetière. Mais en fait, j'amène des gens pour des balades insolites ici. Donc tu es conteur, en plus. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis conteur. Et parmi les endroits que j'affectionne particulièrement, ben, il y a ce cimetière de Bruxelles, qui est un lieu assez majestueux. C'est un petit peu un havre de paix dans la ville... D'accord. C'est un peu le Père Lachaise bruxellois. Oui, mais avec de l'espace, en plus. Ouais. C'est 38 c'est hectares, bien, ouais. C'est pas mal. Hein. C'est le plus grand de Bruxelles, il y a 300 000 tombes ici, hein, donc il y a vraiment énormément de choses à découvrir, à raconter. En face de nous, là, c'est carrément la tombe d'Adolphe Max. Il est devenu célèbre par son chien, qui siégeait au conseil communal. Il avait un siège, comme les élus. Tout à fait, oui. Donc. Et parmi tous les gens qui observaient ça à l'époque, il y avait Hergé. Et Hergé s'est inspiré du chien d'Adolphe Max pour faire Milou. Milou. Bien connu. D'accord. Le fameux chien de Tintin, le reporter, connu dans le monde entier. Ah, c'est drôle. Ah oui. Mais il y a pas mal de choses en rapport avec Tintin ici. Par exemple, pas loin d'ici, mais il y a la tombe de la Castafiore.
de celle qui a inspiré la castagne. D'accord, évidemment. Voilà, bien sûr. Évidemment. J'aurais aimé savoir, Philippe, comment tu faisais pour glaner toutes les petites anecdotes que tu racontes. Au départ, c'est surtout des recherches dans des bouquins, découvrir des personnages, et quand on sait qu'ils sont enterrés quelque part ici dans le cimetière de Bruxelles, ben, après, il faut les chercher en vrai, je dis, si j'ose dire. Et j'ai découvert des choses assez étonnantes, comme par exemple, on a installé ici une zone de méditation. Ouais, donc, d'accord. On a planté des arbres fruitiers. Et on a même installé des ruches, en fait. D'accord. Oui, carrément. Ouais. Donc finalement, le cimetière de Bruxelles est un endroit très vivant. Il passe encore plein de choses. Eh bien oui, on peut dire ça, tout à fait, bien sûr. Il existe une multitude de forêts, parcs et jardins à Bruxelles. Du plus grand espace vert au jardin le plus secret, ils ont tous une histoire à raconter. Simon profite de cette nature dès qu'il le peut. Depuis un an, il s'occupe d'une parcelle dans ce jardin potager à l'entrée du parc de Schoetbos. Là, il y a un petit fraisier. Là, il y a une achillée millefeuille. Il y a de la sauge et puis d'autres petites plantes. Quand il ne remue pas la terre, Simon travaille sur son ordinateur. Il est web développeur. Venir dans son potager est sa manière de s'aérer les idées. Je pense que c'est assez utile aussi quand on fait un travail de bureau, d'être... de mettre un peu les mains dans la terre et de penser à rien ou pas à pas grand chose quoi. Enfin ouais, c'est une vertu méditative, je pense, le jardinage. Il vit dans le quartier de Molenbeek. Le parc du Schoetbos et ses 50 hectares de verdure se trouvent au pied des tours. Quand il s'est installé ici il y a 5 ans, ce nordiste d'origine n'imaginait pas trouver autant de parcs à Bruxelles. Globalement, on voit la Grand Place, le centre-ville, qui sont des endroits où la nature n'a pas trop sa place. Mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de cette zone-là, y a des parcs partout à Bruxelles. Certains recèlent même de véritables trésors botaniques. En plein quartier résidentiel, le parc Ten Bosch abrite un arboretum d'une rare richesse, avec des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Belgique. Alors voilà probablement la plante la plus exotique du parc. Donc c'est celle-ci avec ses énormes feuilles. Alors son nom latin, c'est le Tetrapanax. Et en nom français, ça s'appelle la plante à papier de riz. C'est une plante qui est originaire de Chine. Au 19e siècle, le terrain appartenait à une riche famille de Bruxelles. C'est le petit-fils des propriétaires, passionné par les essences exotiques, qui lui donna son aspect actuel. Aujourd'hui, le parc est ouvert à tous. Et c'est à Nicolas que revient la mission de préserver les 200 espèces d'arbustes. On essaie de perpétuer un petit peu l'esprit initial du parc, qui était vraiment au départ un parc de collectionneurs. Donc voilà, qui est devenu un parc public avec des zones effectivement pour les gens du quartier et en même temps un peu un parc botanique avec des nouvelles espèces, des plantes un peu exotiques et voilà, et essayer d'apporter une diversité la plus grande possible, quoi. Pour oublier tout à fait la ville, pas besoin d'aller bien loin. À 7 km seulement de la Grand Place de Bruxelles, se trouve la réserve naturelle du domaine des Silex. C'est la seule station ornithologique de la capitale. Ce matin, Mario et ses collègues installent un filet. Ils espèrent capturer des oiseaux afin de pouvoir les baguer. Mario les attire avec un chant de mésange. On a des cygnes là qui vont passer juste au-dessus de nous. Aïe, 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 ouf. Le filet, il aurait été explosé là, oui. Ce genre de filet, c'est pour des petits oiseaux, donc comme la taille d'une fauvette, un roitelet, des hirondelles, et pas vraiment pour un cygne qui fait quand même plusieurs kilos et une envergure de plus d'un mètre. La réserve est située sur un couloir de migration. Un couple de souchets, là, les canards souchets. Mâle et femelle. Des oiseaux de Russie ou de Scandinavie viennent passer l'hiver ici. On est dans une vallée où il y a tout un complexe, toute une chaîne d'étangs. Et donc les plans d'eau attirent les oiseaux en migration.
La proximité de l'eau assure toujours de la nourriture, que ce soit des insectes comme des moustiques ou alors des poissons. Quelques minutes plus tard, deux mésanges sont prises dans les filets. Et je vais dégager donc ses pattes, ses ailes et retirer délicatement l'oiseau du filet. Je dégage une aile, deux ailes, la tête et le voilà. Petite mésange bleue. On voit qu'elle ne porte pas encore de bague. Donc on va lui mettre une bague, ici en l'occurrence une bague belge. Mais c'est pas pour ça qu'elle est belge. Peut-être qu'elle vient d'un autre pays, on n'en sait rien. Voilà, il y a de l'air dedans, pas de souci. La deuxième mésange porte déjà une bague. C'est une sorte de carte d'identité de l'oiseau. Cela permet aux ornithologues de les tracer, de les étudier et de mieux les protéger. Mario et ses collègues vont procéder à l'examen des mésanges. Voilà. Mésange bleu, c'est un jeune oiseau. Je distingue le fait que c'est un jeune oiseau au fait qu'il y a un contraste dans les plumes. Et donc la longueur de l'aile ici fait 66 mm. Première année. 11 grammes d'œufs. Toutes ces informations sont répertoriées afin de pouvoir suivre l'évolution des oiseaux qui vivent dans la réserve. Et voilà, donc la bague est bien disposée. Donc on peut lâcher l'oiseau. Mario fait ce travail bénévolement. C'est un passionné, amoureux de la nature depuis l'enfance. Il habite à deux pas de la réserve naturelle. Conscient de bénéficier d'un environnement privilégié si près de la ville, il en profite le plus possible. Et après le boulot, quand je viens ici, je fais le tour de l'étang, je déconnecte complètement, je me ressource complètement. Et j'ai la faiblesse de croire que ici, je vis au paradis, c'est mon paradis terrestre. Et tant pis si après, je n'ai pas le paradis, mais je l'aurais eu de mon vivant, en tout cas. Te lire. Je lisais ta chronique sur les bonnes résolutions en fin d'aujourd'hui. Oui, bon, je te dis bonjour quand même. Ça va Marjorie? Salut Jérôme. Bon, je vais t'emmener chercher un vélo parce que tu vas pas me suivre à pied. Hein. Je prends le bagage, non? Tu le sens pas? Non? D'accord. Ok. Bien. Allez. Ça commence bien. Un vélo en plus. Un vélo de ville. Je te conseille un petit ticket d'une journée. Ouais, ça marche. Comme ça, on peut aller faire un petit tour. Ok, très bien. Je vais t'emmener chercher de la bière. C'est vrai que t'es une passionnée, une amatrice de une bière. Une amatrice de bière, tout à fait. Hop. On y va. Allez, hop, c'est parti. Tricotillon, une des plus emblématiques de Bruxelles, tout un symbole. T'as un grand sourire, je vois que c'est un endroit que tu adores. Bon, ça sent la bière. Bonjour. Bonjour, Marjo. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Je te présente Jérôme. Bonjour. Enchanté, Jérôme. Jean. Enchanté, Jean. Bienvenue. C'est le brasseur. On peut voir ça comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, je viens chercher une petite gueuse. Une petite gueuse. Voilà. On reste sur le grand classique. Une petite, ce serait une grande gueuse. C'est pas grave? Allez, va pour une grande gueuse. 75 centilitres. Je prends. Une grande gueuse. Est-ce que ça t'embête si je l'emmène faire un petit tour? Tu me montres les étages? Bien sûr. Merci. Voilà. Bonne visite. Brasserie qui date de 1900 et tout le matériel est inchangé depuis. Donc c'est ultra artisanal. Ah, c'est ultra artisanal, c'est familial, c'est de tradition. Super. Donc on arrive ici dans la pièce la plus importante de la brasserie. C'est la salle avec le bac refroidisseur. C'est la fermentation. Voilà, c'est ici que le mou va être versé et refroidir en une nuit. Elle doit descendre à 12 degrés. Okay. Et pendant cette nuit, il va se charger avec les levures et les bactéries qui sont présentes dans l'air, d'où fermentation spontanée. Donc on ne peut faire cette bière, cette gueuse qu'à cet endroit-là? On ne peut la faire qu'ici, parce que les bactéries présentes depuis le début de la brasserie en 1900 sont dans les poutres, dans le toit, dans l'air ambiant. C'est ce qui va faire un peu le goût, la touche de cette bière. Tout à fait. Bon, ben on va
pouvoir aller les goûter, ces bières, on alors. On va les goûter. Hein? Allez, on y va. L'avantage, c'est que la bière de brasseur aura été bien brassée à vélo. Oui. Il va falloir faire attention en l'ouvrant. Parfait. Allez, on y va. On va aller faire une petite dégustation de bière au Pouchenet-le-Calder. Tu sais le dire, ça? Non, je ne sais pas le dire. Pouchenet-le-Calder. Pouchenet-le-Calder. Bien, bien. Salut les filles. Bonjour. Je vous présente Jérôme. Enchanté. Alors, comment ça se passe? Explique-moi. Vous ne pouvez pas voir les bières qu'on va déguster, donc je vais aller donner ça au bar et puis je vous rejoins. Ça marche. Ça va? Impeccable. Ok. On va discuter, du coup. Je vois qu'il y a des appréciations à donner. Oui. Sur le nez, en bouche, comment ça donne, tes notes. Ça fait combien de temps qu'existe la bière des femmes? Alors, ça va faire 4 ans. Oui. Et on a créé le concept qui est devenu un label de qualité. D'accord. Donc on réunit en fait des femmes autour de bière et de dégustation à l'aveugle, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu au départ? Pourquoi réunir que des femmes? Alors déjà parce qu'il y a des clichés et des préjugés qui circulent autour de la bière. Et puis je pense tout simplement qu'elles ont vraiment bon goût et qu'elles savent très bien déguster. Du coup, voilà, elles ont un avis à donner sur les bières. Et puis c'est un public, je pense, cible aussi de consommatrices. Girl power. Oui. Voilà. Donc combien de bières à déguster aujourd'hui? Alors on en a 6. Ah, on va boire une gorgée, hein, sinon... Oui, ben, c'est juste de la dégustation. D'accord, ça marche. Alors, à votre santé, bonne dégustation. Merci. Santé, les filles. Santé. Alors, comme le vin, ben, d'abord on regarde, puis on sent. Et puis on goûte. Il y a quelque chose avec le thé vert. Qui le trouve? C'est une fleur. Jasmin, oui. Jasmin, exact, oui. Ah ouais. Voilà. Wow. Pêler le thé vert jasmin, exactement. Et alors l'idée, c'est de la noter sur 5. Voici la suivante. La suivante. C'est plus traditionnel, c'est plus une bière de soif, mais peut-être plus classique, en fait. Oui. Donc sur celle-ci, vous êtes moyen bof? Moi, je suis déçue, là. Je suis celle-là, bon... Bah, c'est raté pour celle-là. Ah, ok. S'il vous plaît. Tu remarques qu'on est sur quoi, là? Ça sent l'endroit où on était, je crois. Non? Oui, ça sent l'endroit où on était. Le mieux sent cette odeur-là. Mais oui, tout à fait. J'ai l'impression d'être dans les locaux, là. Oui, de la tout à fait. Cantillon. Résultat? Résultat des comptes. On a fait les comptes. Suspense. Voilà, donc la grande gagnante, sans surprise, c'est la Cantillon, la Gueuse Cantillon. Et il y a un coup de cœur. Excellent. La Easy Porter. Tout le monde est d'accord. Oui, oui. Ça a été un vrai coup de cœur, une vraie découverte. Bon, eh ben, merci de votre accueil. Avec plaisir. Je ne boirai plus la bière de la même manière. Vraiment. On va finir en fanfare, j'espère, parce qu'ici, ça va de soi. Okay. On va aller écouter la musique. Bon, allez. Allez. De toutes les festivités. Comment? La fanfare fait partie intégrante de toutes les festivités ici. Comment? Bonne nuit, la fanfare. Oui, oui, effectivement. On est très fanfare en Belgique. Oui, c'est pas ça. Hop, il y a Olivier qui est là. Olivier! S'il te plaît, je vois. Oh, génial. À nos échappées belles bruxelloises. Ah, magnifique. Ça fait très plaisir, t'embrasse. Merci Olivier. Je t'embrasse aussi, Marjorie. Merci. Et je vous embrasse toutes, évidemment. Bah, merci pour ces bons moments passés ici. C'était un chouette week-end. J'aime bien venir en Belgique. J'aime bien venir à Bruxelles, évidemment. Les Bruxellois sont, comme on dit, chaleureux. Je trouve qu'il y a beaucoup de simplicité et en même temps une excentricité que j'aime beaucoup. Voilà. Après, la ville est magnifique. Il y a plein de choses à y faire, évidemment.
Et j'ai apprécié de partager tout ça avec vous. Il y a même Nicolas qui est là. Ça va bien. Il y a tout le monde. Enfin, tout le monde se retrouve autour du Mannequin Plus, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce week-end. Et là, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On vous dit au revoir. Viens, Nicolas, viens. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. Oui. À bientôt. Salut.